Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette nouvelle journée, ce nouveau mardi. On est le 1er octobre et merci d'être avec nous. Alors avant toute chose, j'ai des petits remerciements à faire parce qu'on a un très gentil follower qui a envoyé ces ravissantes choses à Charles. Des chaussettes. Des chaussettes, Sébastien. Des belles chaussettes rouges, donc je crois qu'il y a... Et vertes. Et blanches. Et regarde comme tu vas être chic avec ça. Et ouais, elles sont jolies, celles-là. Celles-là, elles sont smart. Et comme ça, tu vois. Donc là, tu as un petit... Ouh là, regarde, celle-là, elle monte très haut. Oui, c'est pour... Alors, on va expliquer pourquoi. Hein. C'est parce que j'ai été sur la scène à Genève avec Didier et ce bon Vincent Strauss. Et puis, on était assis et on voyait tous nos modèles poilus parce qu'on portait tous des chaussettes courtes. Alors, il y a toute une série de gens qui nous ont fait des remarques sur la beauté de nos mollets. Et donc, on m'envoie des chaussettes pour cacher ces... C'était une redoutable allusion. Exactement. Donc, merci beaucoup. Mais en effet, alors, on ne savait pas qu'on allait être mis sur une estrade. Voilà. Sachez qu'on est ravis de recevoir des cadeaux et que nous acceptons toutes sortes de prizes. J'attends toujours les chèques de la CIA. Nous acceptons les croquettes, les chocolats, les liqueurs et eaux de vie. Il y avait aussi on avait donné des oreilles de cochon séchées qu'il a bouffées. Enfin, oui, et ce panier, c'est aussi une gentille dame qui nous l'avait envoyé, de Caroline du Sud, je crois. Oui. Donc, il a tout de suite su ce que c'était. On a ouvert le truc. Il a su que c'était pour lui. Il était là, il était dans tous ses états. C'était un véritable festival. Voilà. Sinon, sur un autre sujet, je voudrais quand même te féliciter, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, pour toutes tes prévisions de cette année. Ce n'est pas des prévisions, c'était des recommandations. Des recommandations, oui. Encore une fois, les économistes ont été inventés pour que les astrologues aient l'air sérieux. Voilà. Et ma foi, si on regarde cette année, ça c'est plutôt bon. Sur les obligations, on a évité le désastre. Mais ça faisait un moment qu'on vous disait... Sur l'or, ça cartonne. Pour ceux qui n'auraient pas entendu, il fallait avoir de l'or. Mais bon, est-ce qu'on peut toujours rentrer sur l'or ou est-ce que c'est toujours, trop tard toujours. Oui. Sur le yen, bon, si vous n'avez pas été d'un poussin, ça s'est bien passé pour vous aussi. Et est-ce qu'il est encore temps de rentrer sur le yen? Oui, tout à fait. Je vais le montrer d'ailleurs. D'accord. Et maintenant, la bourse chinoise a explosé de 25% en une semaine. En une semaine, ce qui est quand même bien. Alors pourquoi hier la bourse, puisque hier, enfin le week-end dernier, la bourse japonaise a... Parce qu'il y avait un type qui va être le prochain Premier ministre qui a dit qu'il allait monter les taux et c'est la politique. Donc tout ça, c'est des grands... Encore une fois, ce que dit Didier, il a tout à fait raison. C'est que dans les marchés, 97% des mouvements, c'est du bruit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe, quoi. Donc, on les regarde, on essaye d'expliquer, et c'est ce que j'appelle le syndrome Bloomberg. C'est-à-dire que la bourse a baissé de 4% ou est montée de 3%, ou j'en sais rien. Et Bloomberg dit la bourse est montée de 3% parce que rien du tout. C'était un asile de fous et qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs ou plus d'acheteurs que de vendeurs, quoi. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Donc surtout, vous faites pas attention à la bourse est montée parce que rien du tout. Ce qui compte, c'est que la bourse a toujours tort du jour en jour et vous prenez un horizon à 3 et 5 ans, elle a toujours raison. Donc ce qui compte, c'est les 3 et 5 ans, c'est pas ce qui s'est passé hier, quoi. On s'en contrefout. Voilà. Alors... Si vous avez suivi la première émission que je ne peux que vous engager à regarder, qui s'appelle numéro 1, sur l'Allemagne, ceci va être aujourd'hui le numéro 2 sur l'Allemagne comme annoncé. Alors comme l'émission, je l'ai mise hier en ligne, il n'y a pas eu encore trop de questions. Donc ce que nous ferons en vérité pour recevoir les questions, c'est qu'on fera une émission de questions. Sur ces deux-là. Sur ces deux-là et d'autres. Donc j'ai ouvert un espace sur YouTube. Très bien. De questions où vous pouvez dès à présent les poser sur ce que vous voulez en réalité. Alors, et voilà. Ce qui se passe, c'est que la précédente émission, on a fait une émission sur le fait que l'Allemagne rentrait en récession et que ça allait avoir des influences profondes sur la France. Bon. Donc c'était sur l'économie, sur l'industrie allemande, pourquoi ça marchait pas, ce qui s'était passé. Parce que nous exportons beaucoup en Allemagne, donc eux, s'ils ont une contraction de budget, ils vont plus acheter de produits français. Moins.
moins. Or, on avait besoin d'eux, on a besoin d'eux pour acheter nos produits. C'est notre plus gros client. Donc, soit on trouve des marchés alternatifs, soit on va se retrouver avec des usines qui vont devoir fermer faute de carnet de commandes. Ce qui n'est pas nouveau en France. Ce qui n'est pas nouveau, mais si tu veux, on relance des choses comme Duralex et ainsi de suite. Si les Allemands qui consomment nos biens viennent à ne plus pouvoir les consommer parce que eux-mêmes... Oui, parce qu'eux-mêmes ne peuvent plus se tourner vers des produits chinois. Ce dont j'avais peur dans cette émission, c'était de dire, bon, ben les Allemands, ils sont en récession. Quand ils sont en récession, comme sont des gens sérieux, ils se disent, oulala, ça va pas du tout. Et ils se mettent à épargner. Et donc, se mettant à épargner, ils achètent moins chez nous et ça déclenche une récession chez nous. Donc, c'est une espèce de truc en rond. Mais maintenant, je voudrais montrer que le vrai problème de l'Allemagne, bon, ils ont une récession, ils ont une baisse structurelle de leur production industrielle, ils sont plus compétitifs dans toute une série de domaines, l'énergie est trop chère chez eux à cause de tout ce qui s'est passé avec la Russie, mais je voudrais montrer ce qui est en train d'arriver à l'épargnant allemand, et pourquoi il a raison d'avoir la trouille. Il y a l'autre qui est en train d'essayer de se faire son lit, là. Voilà, il fait son petit nid. Il fait son lit, là. Il vérifie qu'il n'y a pas de serpent. Oui, voilà, ils font ça dans la nature pour vérifier qu'il n'y a pas des bêtes en dessous. Donc, ils grattent, ils gratouillent. Et puis, il y a un moment où il va faire papa en rond, une fois qu'il aura tourné bien vérifier deux, trois qu'il y a fois. Pas de... Voilà, mais regarde comme il marche surtout. Oui, il vérifie voilà. qu'il n'y a rien. Et voilà, et là, il est bien pour une heure. Bon, donc ça, c'est un élément important. Important. Mais que son chien soit confortable, ça fait quand même partie des choses importantes de la vie. Donc, alors, je vais vous raconter un peu l'histoire. C'est que, quand j'étais jeune et compétent, il y a longtemps, il m'est arrivé de gérer de l'argent, et quand je ne savais pas quoi faire, quand je ne comprenais plus rien, ce qui arrivait, je me disais, je vais acheter des bonds. Alors les bonds, c'est des obligations allemandes, parce que la Bundesbank maintenait des taux d'intérêt réels sur les bonds, toujours à 3, 4, 5%. Ils avaient des comptes extérieurs, donc je me disais, si je fais 3, 4, 5% par an dans une monnaie, qui est bien géré et tout, donc ça me permet d'attendre que je me remette à comprendre. Quoi. Voilà, c'était un peu ça. Là. Et en général, tes clients, tu leur disais, je vais vous faire quoi, du 4% par an? Moi, ce que j'essayais de faire, c'était de faire à l'époque, j'essayais de faire mieux que l'indice mondial des actions, avec une volatilité, avec quelque chose de complètement différent, en prenant des positions que personne d'autre ne prenait, donc j'étais considéré comme le fou local. Quoi, tu vois, c'était... Mais pourquoi il fait ça, lui? Exactement. T'as qu'à voir, depuis 2-3 mois, je disais qu'il faut se bourrer de la bourse chinoise, et tout le monde me disait, mais vous êtes malade, des communistes, des trucs, ils sont en train, ils vont périr, ils vont mourir tous dans le froid. Rien du tout. Bon, alors je voudrais montrer ce qui s'est passé. C'est que, donc, l'Allemagne, pendant à peu près, depuis de 1974, où elle a pris le contrôle des taux d'intérêt de la Banque Centrale Américaine, c'était celle qui régissait le coût du temps. C'est-à-dire, les gens, c'était elle qui mettait un prix sur le temps. Puisque c'était les plus sérieux, les gens n'avaient plus confiance dans la Fed. Et ce qui a agacé beaucoup les Américains. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'était, on pouvait pas changer ça. La Bundesbank était constitutionnellement indépendante. Politiquement indépendante du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement n'avait rien à voir avec la Bundesbank. C'est-à-dire que si la Bundesbank disait « je monte les taux et qu'il y a des élections dans 6 mois », ça leur faisait ni chaud ni froid, ça les intéressait pas. Donc ils étaient constitutionnellement indépendants. Et imagine-toi que c'était les Anglais qui avaient exigé ça en 45-46, en disant comme ça, ça évitera à la Bundesbank de financer le prochain dictateur. Tu vois, c'était... qui n'était pas con, quoi. Ce qui est amusant, c'est qu'ils l'ont fait pour les Allemands, mais qu'ils ne l'ont pas fait pour eux, quoi. Donc, ils ont eu plein d'inflation, etc. Bref. Donc, les Anglais garantissent l'indépendance de la Bundesbank. Et comme le disait Delors, qui n'était pas le plus malin, mais enfin, ça fait rien, il disait, tous les Allemands ne croient pas en Dieu, mais tous les Allemands croient en la Bundesbank, tu vois, parce qu'ils avaient rétabli une espèce de confiance en maintenant des taux d'intérêt, en allant contre le gouvernement, en leur rentrant dans le chou. Donc, c'était une sorte de Gandalf. C'était une sorte de Gandalf, voilà, c'était Gandalf, avec son bâton, là. Voilà. En terre du milieu, et qui disait aux politiciens qu'il pouvait toujours se faire cuire un œuf. Si j'ai le temps, je vous raconterai une anecdote entre Becker, le secrétaire d'État du Trésor, et Karl Otto Pöhl, le gouverneur de la Banque Centrale, dans un avion où j'avais des associés, ou qui est un avion privé. Bah vas-y, raconte-la maintenant. Donc, ils étaient dans un avion. Donc, c'était... ça devait être donc en 1986, après les accords du Louvre en 1985. Moment où tout le monde fumait dans les avions. Et il y avait donc Karl Otto Pöhl, mes associés, l'ambassadeur d'Allemagne
l'ambassadeur des États-Unis en Allemagne, Baker, le secrétaire d'État au Trésor, et Baker dit à Karl Otopel qui était là, donc le gouverneur de la Banque centrale allemande, il lui dit, cher ami, bien entendu, comme nous avons des élections qui arrivent, vous allez baisser les taux. Et l'autre lui dit, cher ami, rien du tout, je vous emmerde. Il a poussé une colère pas croyable, il était laissé s'asseoir dans le fond de l'avion et il n'a plus parlé à personne. Et il n'a pas monté les taux, et du coup, il y a eu le crack de 87. Parce qu'il a monté les taux alors qu'il ne fallait pas les monter et tout et tout. Donc, En parlant de baisser les taux et d'élections, tu as vu qu'ils ont la Fed a baissé ses taux et comme par hasard, il y a des élections démocrates. Des élections démocrates directes. Donc, cher ami. Donc la Bundesbank avait envoyé péter, puis ensuite, ils ont, Karl Otopel le même a envoyé péter le chancelier allemand. Quand il y a eu la réunification, donc il a suivi une petite. Bref, la Bundesbank faisait ce qu'elle voulait. Et donc, on ne pouvait pas la. Il fallait changer la constitution allemande, et si tu disais aux Allemands de changer la constitution allemande pour pouvoir foutre leur monnaie en l'air, ça ne marche pas très bien. Tu vois, il n'y a pas un Allemand qui aurait voté pour ça. Donc, on a créé la BCE et l'euro. Donc, Sauron. Exactement, c'est ça. Les méchants ont créé une espèce de truc qui est passé au-dessus de la Bundesbank, qui lui a enlevé tout pouvoir, qui l'a littéralement émasculé, et donc l'euro, c'était pas du tout un machin pour créer l'Europe, c'était un machin pour redonner le pouvoir sur les taux d'intérêt aux États-Unis. Et ça s'est fait contre la Bundesbank. Et ces crétins d'inspecteurs des finances français étaient enchantés que la Bundesbank perde le pouvoir sur les taux d'intérêt, donc ils nous My precious Ça, c'est les inspecteurs des finances. My precious, ces crétins, ils ont donc laissé couler la Bundesbank. Et les types qui auraient été nommés à la tête de la Bundesbank à partir de Madame Merkel, c'était tous des grands veaux, quoi, tu vois. C'était pas des Karl Otopel, c'était pas des. Il y en avait quelques-uns. Bon. Alors, je voudrais vous montrer ça par un graphique. Alors, c'est le premier graphique que vous allez voir apparaître sur votre écran maintenant. Vous voyez, la ligne rouge qui est tout en haut, c'est les taux d'intérêt réels sur le 10 ans allemand. Donc, vous voyez, ça se balade de 1985, mais ça avait commencé avant, hein. Jusqu'en 2016, c'est-à-dire 30 ans, je crois, entre 2,5 et 5% réel. Tu te rends compte, 5% réel, c'est gigantesque. Hein, Dis-moi, c'est quoi ce pic-là, en 93, à 7,5, 8 Alors, les taux réels sur le 10 ans, tout au début. Mais c'est quand ils ont monté, quand il y a eu la réunification allemande, ah, oui. Qu'on a fait la réunification allemande, qu'on a fait un Ostmark égale un Deutschmark, donc il y a eu une augmentation de la masse monétaire, et donc pour tuer cette augmentation de la masse monétaire, la Bundesbank a monté les taux, bam. Et j'en ai rien à foutre, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a foutu une récession en Allemagne et dans toute l'Europe. Non seulement ça, mais tu te rends compte, si tu dois emprunter pour un projet immobilier ou quoi que ce soit, avec c'est des là taux... C'est là où l'immobilier français a sauté en 92-93, voilà. Le Crédit Lyonnais a sauté là. Ben voilà. Et qui était au conseil du Crédit Lyonnais? Monsieur Trichet. Et ce qu'il y a d'admirable, c'est qu'on a voulu savoir, parce qu'il y avait des tas de trucs qui n'étaient pas bien nets dans les bilans du Crédit Lyonnais, on a voulu voir ce qui s'était passé. Le juge, imagine-toi, les archives du Crédit Lyonnais ont brûlé à Paris. Mais non, mais quel dommage. Oui, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'heureusement, il y avait un double au Havre. Ah. Qui a brûlé le surlendemain. Donc, qui a surbrûlé le surlendemain. Mais c'est pas de chance, ça. Ah, hein. C'est vraiment pas de peau. Et il n'y a jamais eu une enquête. Bah non. Non, ah, les choses brûlent, écoutez, bon monsieur. Brûlent, c'est normal. C'est du papier. On n'aurait voilà, pas pu les mettre sur un... Non, c'était du papier. Donc, taux d'intérêt réel, absolument extraordinaire. Ce qui fait que quand tu regardes, par exemple, un portefeuille d'obligations à 10 ans, qui reste à 10 ans, tu sais, un portefeuille à duration moyenne de 10 ans, tu vois que tu faisais la pente de hausse de 1985 à 2016, c'est la ligne droite au milieu, là, c'était de 5% par an, parce que comme les taux baissaient, tu gagnais en capital, puis tu touchais tes 2 ou 3%, donc tu faisais 5% par an comme une horloge. C'était très très bien. Mais regarde ce qui se passe quand M. Draghi arrive pour sauver l'euro. Parce qu'il était évident que les Français, les Italiens, etc. ne pouvaient pas payer 5% sur leur dette. Ben non. C'était beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Alors que les Allemands, ils y arrivaient. Et donc ce qui se passe, c'est que ben, tu mets les taux allemands à zéro. Oui. Et négatif. Négatif. Et donc, pendant 2 ou 3 ans, les marchés obligataires se disent « Bon, mais ça ne va pas durer, c'est de plaisanterie. » Puis ça dure, donc ils commencent à se péter la gueule. C'est-à-dire que du plus haut du marché obligataire allemand qui a été fait vers 2016 à aujourd'hui, un investisseur dans une obligation allemande a perdu 33% en pouvoir d'achat. Mais tu te rends compte ce que ça veut dire ? Tu as perdu un tiers de la valeur dans le truc qui était
la valeur refuge par excellence. Étonne-toi que l'or soit monté d'ailleurs. Bah oui. C'était puisque tu perdais ton... Alors, une autre façon de regarder la même chose, hein, mais je voudrais vous expliquer le drame qui s'est passé entre 2012 et 2020, parce que c'est certainement l'un des crimes monétaires les plus importants qui ait jamais été commis. Ça a été commis par ce salopard de Draghi, et qui maintenant fait des rapports à la Commission européenne sur la façon dont il faudrait... Faire une plus grosse saloperie encore. En empruntant, bah, c'est-à-dire que... En faisant quelque chose qui est interdit par les traités. On sait très bien ce qu'ils essaient de faire, et ils essaient tant après tant, en poussant, ils veulent mutualiser les dettes. Et pour avoir un ministère des Finances européen. Européen. Et des impôts européens. Européen, et ce qui veut dire ensuite... Par suite, si on ne payait pas ces impôts européens, j'imagine une police européenne qui viendrait botter le cul de ceux qui ne paieraient pas ces impôts européens. C'est in fine... le droit essentiel de tout souverain, c'est de lever les impôts sur les sujets. Voilà. Donc ça Et veut donc, dire que... accélérer le fédéralisme européen. Le fédéralisme européen. Donc la deuxième chose, c'est, regardez là, quelque chose de très intéressant, c'est le deuxième. Ça, la ligne rouge, c'est le rapport des cours entre un portefeuille allemand à 10 ans, tu vois, celui que je montre le graphique précédent, et l'indice mondial des actions. C'est-à-dire que tu vois que de 1970 à peu près 2015, à peu près, encore une fois 2012, le moment où Draghi commet son crime, les obligations allemandes, là, font aussi bien que les actions dividendes réinvestis. Alors attends, prends un peu de temps pour expliquer voilà, aux gens tu prends le l'indice graphique. Des actions. En principe, les actions font mieux que les obligations, puisque oui. C'est la propriété. Mais tu vois que la politique allemande était tellement sérieuse sur leur monnaie que de 1970 à 2012, là, le moment où Draghi a fait sa connerie, que tu aies acheté des actions dividendes réinvestis, l'indice mondial, ou que tu aies acheté des obligations allemandes, tu avais le même résultat. C'est-à-dire que moi, Romanin, gérant, quand tu étais là en 1978, au moment, tu vois, les obligations allemandes étaient tellement montées parce qu'il y avait une panique sur le dollar, tu vendais tes obligations allemandes, t'achetais des actions, et puis quand tu étais en bas, tu faisais le contraire. Mm-hmm. Et ça marchait à tous les coups. Donc c'était un très beau retour à la moyenne. Je me disais, c'est ce que m'avait dit Beat Notz, un de mes mentors, quand j'étais jeune. Il m'avait dit, Charles, il faut que tu comprennes que les Allemands géreront toujours pour le marché obligataire et que les Américains géreront toujours pour le marché des actions. Oui. Donc instinctivement, Donc tu vois, donc je faisais ça, je me disais, maintenant... C'était limite un produit en croix, oui. Oui, voilà. Et donc maintenant, moi, ce que je dis aux gens, c'est que les Allemands ont été remplacés par la Chine, la Banque Centrale de Chine. C'est pour ça que j'ai commencé par les obligations, puis ensuite les actions. Bon, ça, mais en même temps, pour diversifier ton risque, tu as l'or qui fait un petit peu comme un l'or, c'était un peu... Mais quand il y avait 5 ou 6% de taux d'intérêt sur le Bund, t'achetais pas d'or. Non. Parce que l'or, il avait pas... Mais dans un monde où il n'y a plus de Bund, l'or est une sorte de Bund. Ben exactement, tu te reprécipites sur l'or. C'est-à-dire que jusqu'à 2012, 2013, 2014, t'avais pas besoin d'or. Et puis ensuite, tu te dis, adieu, j'en ai besoin plus que jamais. Quoi. C'est, Donc tu vois bien, c'est-à-dire que tu faisais aussi bien avec des obligations allemandes qu'avec des actions. Donc tu faisais un portefeuille qui était 50% en actions mondiales et 50% en Bund. Et tu partais à la plage. Tu n'avais rien à faire, ça a marché pendant 30 ans. C'était génial ce truc, mais ce n'est plus le cas. Bon. Alors je vais vous montrer maintenant le drame pour l'épargnant allemand. Alors, imaginons que notre épargnant allemand, il se dise, vous savez, je ne sais pas trop, je vais me mettre 50% en Bund et 50% en actions allemandes. Tu vois, il se dit comme ça, j'ai un portefeuille bien diversifié, j'ai des bonds qui me donnent du 4 ou 5% par an, des actions allemandes qui me donnent du 5 ou 6% par an, donc je fais la moyenne des deux, je rebalance selon notre méthode habituelle, et je gagne bien ma vie, tu vois, c'est ce qui se passe là. Et regarde ce qui se passe sur ce portefeuille, tu vois, tu montes tranquille, avec une volatilité assez faible, c'est bien, ça monte, et à partir de 2012, avec à partir de 2020-21, quand on se rend compte du drame qui est en train de se passer sur les obligations allemandes, ce portefeuille passe de 130 à 80 en 6 mois. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire aux gens, c'est que vous dites, attention, il va y avoir une baisse, attention, il va y avoir une baisse, puis elle n'arrive pas. Mais quand elle arrive, c'est la falaise.
vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu baisses pas doucement, tu n'auras pas le temps. Ou tu es sorti avant, ou tu es mort. Donc, ce que je veux dire aux gens, c'est que, par exemple, là-haut, ce qui se passe, j'avais écrit un papier il y a 15 jours sur la Chine, en disant, faites gaffe, parce que 50% de la hausse se fera dans les 10 premiers % du temps. Oui. Donc, l'histoire de ramasser les pièces jaunes devant... Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas investi avant et si vous ne prenez pas les dernières claques, vous allez rater la première partie de la hausse. Ben, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, le marché est monté de 25% en une semaine. Et il y a la quasi-totalité du monde qui n'a pas une action chinoise. Donc, imagine le... Et on arrive à la fin de l'année où il va falloir montrer qu'on avait des actions chinoises parce qu'on était un bon gérant. Oui, qu'on avait un petit peu anticipé. Qu'on avait un peu anticipé. Je dirais, il n'aurait anticipé rien du tout. Donc, maintenant, réfléchissons sur le système d'épargne en Allemagne. Les fonds de pension, etc. Alors, ils ont un système par répartition un peu comme la France. Bon, j'imagine qu'ils ont fait des réserves et que ces réserves étaient investies 50-50. Parce que... Ensuite, espérons pour eux, il y a de bonnes chances. Ou alors, encore, quand je dis ça, parce que nous, on a des clients allemands, etc., ils étaient plutôt 80% en Bund. Parce que ça marchait tellement longtemps que, et 20% en actions, parce qu'ils ont bien... J'imagine que c'est facile à vendre à un conseil d'administration de dire on va se mettre 90% ou 80% dans les obligations d'État, il y a la Bundesbank qui est là. Oui, voilà. Bon, donc, on est des gens sérieux, madame. Voilà, on ne va pas écouter. Bon. Donc, le système de répartition, si elle a des réserves, ben, elles sont bouffées, il n'y en a plus. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, je suis loin d'être un spécialiste, mais la façon dont beaucoup de sociétés traitent leurs problèmes de fonds de pension, c'est que tu es, je sais pas quoi, Bayer, allez, ou BMW, et gérer les pensions, c'est pas ton métier. Donc, tu vas voir, je sais pas, Allianz, la grosse société d'assurance, et tu leur dis, dites donc, voilà mon flux de pensionnaires, voilà, etc. Combien vous voulez que je vous paye pour que je transporte cette liability, ce problème, chez vous? Donc, je vous file du cash, et vous vous occupez de mes pensions. Mais c'est vous qui prenez la responsabilité après. Donc, il y a toute une série de pensions en Allemagne qui sont comme ça, déléguées à des compagnies d'assurance. Mais si les compagnies d'assurance ont fait leur prix avec des taux réels à 4 ou 5% et s'ils sont à moins 1, ouais, elles vont avoir des problèmes parce qu'à ce moment-là, elles vont perdre tout ce qu'elles veulent. Tu vois, ça va te dire que... Et si par hasard, la compagnie d'assurance ne peut pas payer les pensions, fait faillite, ce qui s'était passé au Japon dans les années 90, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'obligation de payer revient à BMW ou à... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une espèce de charge latente qui peut, tu penses que BMW a gagné sa vie, comme ça, c'était très bien, tu vois les profits. Mais en fait, il peut y avoir une espèce de dette qui revient en bombe et qui annule tous les profits qu'ils ont fait pendant 10 ans. Donc ça peut être absolument affreux. Et puis enfin, le bon épargnant allemand, qui a son compte tranquille, qui veut, parce qu'il n'y a pas confiance et qui veut avoir son truc, lui, je suis bien certain qu'il est investi dans un machin comme 50-50. Oui. Donc, toute l'épargne en Allemagne vient de se ramasser une gamelle. Tu vois, t'es passé de 130 à 107. Boum. C'est fou. Et alors, qu'est-ce que t'es si t'es un épargnant allemand? Tu te dis, si t'es un épargnant français, tu te dis, je vais demander à ce que l'État me paye, parce que comme chacun sait, c'est l'État qui paye, donc c'est gratuit. Ouais, et ça n'a pas de fond. Voilà. Mais l'Allemand, il se dit, non, il a déjà vu disparaître deux fois sa monnaie en l'espace d'un siècle, donc il sait que l'État, c'est pas si bien que ça. Ils ont quelques exemples historiques. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se dire, il faut que j'épargne plus. Oui. Bah oui, puisqu'il a perdu... Il faut qu'il remonte sur la ligne bleue. La ligne bleue, c'est l'endroit où les retraites seraient normalement capitalisées, où tu cesses d'être sous-capitalisé. Donc, il lui manque 17. Il lui manque à peu près 15. 15, oui. Donc, il va dire, il faut que j'épargne 15. Ouais. Il faut que j'épargne 15. Alors, ça, c'est la... Alors, ce qui nous amène à quoi? Ben... Et ça nous amène au graphique suivant. C'est une des lois de l'économie qui avait été découverte par le prix Nobel d'économie français. Ça s'appelle la règle d'or de... Aftalion ? Non, c'était pas Aftalion, il était bien avant. Le prix Nobel, c'était... Comment il s'appelle ? Oh là là, je connais que lui, celui qui a... Bref, mais c'est le premier prix Nobel français d'économie. Il avait fait des travaux sur le... Retrouver qui était le premier prix Nobel français d'économie. Vous le connaissez tous. Il s'appelait... Bon,
Raymond... Non, bref, je voyais, je deviens gâteux. Bon, alors... C'est pas Rueff, c'est Papinet, c'est non, pas... C'est, non, c'est pas Rueff, c'est Papinet, c'était un de ces gars, c'était... on y reviendra. Alors là, ce que vous avez, une des découvertes qu'il a faites, c'est que pour des raisons que je pourrais expliquer, il a raison, les taux d'intérêt à long terme, la ligne rouge, reviennent toujours sur le taux de croissance structurelle du PIB nominal. Voilà, les taux d'intérêt, c'est la ligne rouge, la ligne bleue, c'est la croissance du PIB nominal. Tu vois, sur 7 ou 10 ans. Donc, c'est ce que j'appelle le structure. Et tu vois que l'Allemagne, de 1981 à 2012, il y avait toujours les taux d'intérêt au-dessus, ce qui indiquait que c'était un pays où on respectait l'épargne et les gens pouvaient épargner, c'était pas gaspillé. Et puis arrive ce crétin de Draghi, qui met les taux d'intérêt complètement en dessous. Tu vois l'espèce d'énorme gamelle qui se passe et met des taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire qui ruine les épargnants allemands. Et c'est fait volontairement. Un homme comme Draghi, il sait qu'il ruine les épargnants allemands et il sait que c'est nécessaire de ruiner les épargnants allemands pour maintenir l'euro, parce que sinon, l'euro saute. Donc il a le choix entre soit je ruine des millions de gens, soit je garde mon projet, qui est une saloperie, qui... Tous les marchés disaient en 2012-2013, pendant la crise de l'Europe, que ça marchait pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse les taux, il écroule tout, et maintenant, on est en train de payer le prix. Et là, je voudrais dire quelque chose aux gens, c'est que les crimes économiques, ça se paie pas dans les 6 mois. C'est-à-dire, les crimes économiques de Mitterrand, on les paye aujourd'hui. Les crimes de Draghi, on les paye 12 ans après. C'est-à-dire que les gens sont incapables de comprendre la relation entre une saloperie qui a été faite il y a 10 ans... et le fait qu'il faille la payer aujourd'hui. Et pour moi, c'est un truc extrêmement grave, parce que ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas de responsabilité de celui qui prend la décision abominable. Tu vois, normalement, un type comme Draghi, il aurait, pour des tas de raisons, en 80 ans, il a fait des défauts pour faire entrer l'Italie dans l'euro, il aurait dû aller en prison. Et on l'a nommé gouverneur de la Banque Centrale. Un type qui devrait être en prison, qui avait fait défaut en écriture publique. Mmh. Ben, il me semble que tu peux pas faire confiance à un homme qui fait défaut en écriture publique pour le mettre dans une position de responsabilité. Il me semble, oui. je sais pas, tu vois, c'est ça me paraît... Donc je regarde ça et je me dis... Mais enfin... tu sais, si on va par là, on sait tous qu'Ursula von der Leyen a plagié sa thèse. Non seulement ça, mais ensuite, c'est son mari qui a touché des milliards de dollars sur les... Donc, pense qu'il y a une sorte de petite... De petite élite. Association de malfaiteurs, je ne sais pas. Une association de malfaiteurs chose... qui est à l'abri de toute poursuite et de toute conséquence des saloperies qu'ils ont faites. C'est quand même très étonnant. Il est très surpris, lui aussi. Et donc, vous arrivez à cette conclusion que comment veux-tu que l'économie allemande maintenant s'en sorte? Et c'est mon dernier graphique. Je ramène sur une autre chose dont j'ai souvent parlé ici, la parité des pouvoirs d'achat. Vous vous souvenez, la parité des pouvoirs d'achat, c'est que le prix du McDonald's à Tokyo et à Francfort, il doit être le même. Bon, alors, ce que vous avez ici, le taux de change, c'est en noir. Vous voyez à quel point... Depuis les 2000, à peu près l'arrivée de l'euro, regardez comment le yen s'est ratatiné. On est passé de 80 yens à quasiment 160. C'est-à-dire que le yen a baissé de moitié en l'espace de 20 ans. Étonnez-vous que l'industrie allemande soit en train de se viander, parce que les Japonais et les Allemands, ils font la même chose. Mmh. Des bagnoles, des produits chimiques, tout ça, c'est les mêmes. Ce sont des industries. Et vous voyez à quel point l'Allemagne n'est pas compétitive. Puisque, et la ligne jaune, c'est le prix du McDonald's, donc, que vous lisez, échelle de gauche. Donc vous voyez aujourd'hui que le McDonald's allemand, il est 62% au-dessus du McDonald's japonais. Oui. Donc vous pouvez pas, si vous vendez une Mercedes, ça veut dire que votre Mercedes est 62% au-dessus de la Lexus. Vous n'avez pas une chance. Donc dans ce monde, où il faut que... L'épargne en Allemagne monte, une partie importante de l'Allemagne, l'épargne allemande, c'est les profits des sociétés. Toi, t'épargnes comme un fou, toi, individu, mais à ça, tu dois ajouter les profits des sociétés qui font partie de l'épargne aussi. Ben, là, les profits des sociétés, ils ont dû se gameler de façon extraordinaire. Et donc, pour que l'Allemagne s'en sorte,
il faut que le yen monte beaucoup, encore de 40 ou 50% vis-à-vis de notre monnaie à nous, l'euro. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, si vous avez des yens, vous ne les vendez pas. Parce que c'est quand même, c'est pas souvent que vous ferez 40% sur du cash, quoi. C'est, donc, essayons de résumer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. J'ai dit, l'Allemagne est en récession, c'était une puissance industrielle, sa puissance industrielle a été détruite par la surévaluation vis-à-vis du yen, mais aussi par le fait que d'un seul coup, l'énergie devient beaucoup plus chère à cause des bêtises avec la Russie, là, etc. Bon. Donc, ils en prennent plein les dents. Ça n'empêche qu'ils ont toujours des comptes courants excédentaires, parce qu'ils ont quand même... Mais tu sais, qu'ils vont se... compte tenu de ce que je viens de raconter, les Allemands vont se mettre à épargner comme des fous. Ouais. Donc, ils vont moins acheter à l'extérieur, ils vont essayer de pousser, de vendre. Peut-être baisser leur prix aussi pour essayer de découler plus de marchandises. Puisqu'ils ne peuvent pas. Autrefois, ils auraient peut-être fait une toute petite dévaluation pour être encore plus compétitifs. Non, ça, ils ne le faisaient jamais. Ils ne le faisaient jamais. Ils ne le faisaient jamais. Ils sont comme les Chinois. L'accord qu'ils avaient avec tous les autres pays européens, c'est que nous, on ne dévaluera jamais. D'accord. Donc, ça voulait dire que dans les entreprises allemandes... Voilà. Ensuite, Mercedes fait des efforts commerciaux. Puis tout le monde se met à bosser, et puis on arrête les conneries, et voilà, bref. Et on cesse de voyager en première classe, et voilà. Mais ça veut dire donc que le taux d'épargne allemand va beaucoup monter, et que sans doute les profits, avec un certain délai, vont se mettre à monter fortement. D'ailleurs, c'est ce qu'anticipe la bourse, là. Les affaires allemandes sont en train de monter. C'est-à-dire que les gens ont compris que... Il fallait serrer les boulons et que tout le monde le connaît. Et on arrêtait de faire des budgets marketing. et de faire des communications. Ouais. Ça, les communications, c'est pas bien utile. Donc, l'Allemagne... Mais ça veut dire que, donc, apparaît à nos portes un concurrent formidable qui est dans une situation difficile, qui l'a compris, qui va prendre les mesures qu'il faut. J'ai appris avec bonheur qu'on n'avait pas 38 ministres, mais qu'on en avait 41, parce qu'ils en ont rajouté deux ou trois. The Ministry of Silly Walks, donc. Le Ministry of Silly Walks, dont on a parlé la dernière fois. Donc, voilà. Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est... Mais, imaginez-vous un instant, c'est exactement comme dans les années 30, où la France faisait grève pendant que l'Allemagne serait armée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu te dis... En effet, c'est une bonne idée de mettre... L'Allemagne se réarme et nous, on vote les congés payés, qui était une mesure mais qui les devait Français arriver. Attendent, mais... Les Français attendent plus de congés payés, enfin, plus là, de... Bah, bien c'est évidemment. C'est ce qu'ils demandent. Ils vont avoir... Des lendemains qui chantent. Non, mais je sais bien, c'était en 36, on disait du pain et du travail, et on a eu... ni pain ni travail, parce que les Allemands étaient à Paris, quoi. C'était en 44 ans plus tard. Donc si on se repasse dans cette espèce de truc en disant les Allemands sont en train de se réarmer, pas vraiment avec des armes et tout. Non, ça. Il est certain que... C'est un état d'esprit. La métaphore de la guerre, aujourd'hui, doit s'employer sur le terrain commercial, sur le terrain de l'entreprise. Donc aujourd'hui, oui, ça ne passera pas par les armes. Je ne pense pas qu'il va y avoir des tranchées dans la Marne, mais il faut quand même réfléchir en termes structurels de ce que ça implique pour notre société. Donc aujourd'hui, si les armements se réarment métaphoriquement sur le terrain de l'entrepreneuriat, et que nous, avec notre PIB de 9% dans l'industrie... Et des fonctionnaires à de Saint-Marc-en-Voûte. Donc, mais alors ça veut dire, je reviens à la thèse précédente où j'avais montré la faiblesse de la France, les taux d'intérêt qui commençaient à monter, vous savez, le glissage vis-à-vis d'Danemark, de l'Italie et de l'Allemagne, dans l'espèce de truc que je décris en ce moment, vous ne pouvez pas avoir un taux de change fixe entre l'Allemagne et la France. Mais pourtant, ils vont le conserver, puisque les oukases européennes... Mais ils vont le conserver, sauf si, j'entends bien, mais sauf si tous les gens vendent les obligations françaises. Si les obligations françaises passent à 7, 8, 9, 10%, parce que tout le monde sait que la France va faire faillite... Dans ces cas-là, ils mettront un type comme Draghi encore à la tête, qui rachètera ses obligations françaises, comme ils l'ont fait au moment de J.P. Morgan. Ça voudra dire qu'ils ruineront encore plus l'épargnant allemand. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, je veux dire, c'est par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez... une espèce de configuration qui se met en place où vous avez l'État français dont la survie dépend de l'épargnant allemand.
Et ça n'amuse pas l'épargnant allemand. Il n'a pas l'intention de sauver l'État français. Je pense qu'on est d'accord que l'épargnant allemand ne veut pas prendre sur lui une troisième responsabilité fracture de l'Europe. J'entends bien, mais si les taux d'intérêt montent en France, avec la dette qu'on a, le service de la dette explose et on est cuit. Ils ne monteront jamais le... Je ne les vois pas remonter les taux. Mais ce n'est pas eux qui l'en monteront, c'est le marché. C'est-à-dire que l'analyse que je fais, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus les banques centrales qui vont contrôler les taux, c'est le marché, c'est fini. C'est fini à partir de maintenant, c'est les marchés qui vont contrôler les taux d'intérêt, les banques centrales, elles pourront pisser contre le vent, elles n'auront plus aucun effet. On arrive à la fin du système. Le marché ne peut plus être contrôlé. Ce qui est toujours comme ça que ça se termine. Un jour ou l'autre, les marchés disent, ce que vous pensez en concentrant le bas, qu'elle peut imprimer tout ce qu'elle veut, j'en ai rien à foutre, je veux pas de ce truc-là. Et c'est fini à ce moment-là. La question que je me pose, est-ce qu'on est en train d'arriver? C'est-à-dire, dans ces cas-là, on arrivera, quand tu dis que le marché va s'imposer, c'est que les gens vont massivement vendre de la dette française. Ou cesser de l'acheter. Oui, ou cesser de l'acheter. C'est, oui, mais tu vois, là, pour l'instant, il y a encore eu hier une émission d'OAT pour X milliards, et malgré tout, ce roulement continue. Ça continue, mais ça continuera, c'est exactement comme la baisse des actions en Chine, qui continuait. Les gens disaient, voyez, vous avez tort, on a encore baissé cette semaine et tout, puis on est monté de 25% en une semaine. C'est-à-dire, c'est toujours ce que je dis, c'est comment vous êtes-vous ruiné, lentement au début, vite à la fin. On est en train d'arriver à la fin. C'est tout le pari. Mais je dis pas que c'est bien ou c'est mal, encore une fois, je porte pas de jugement de valeur, mais je dis, je ne connais personne, surtout si le déficit budgétaire français, parce que plus ça va, j'ai entendu Barnier, qui m'expliquait que les chiffres étaient absolument abominables. Non, mais on va pas se mentir, on doit être pas loin des 7%. Ils ont planqué, et encore, je te parle même pas du hors-bilan et patati et patata, mais ils ont planqué des trucs sous le tapis, et on le sait pertinemment. Donc, quand tu... Mais ça aussi, c'est des écritures en faux, faux en écriture publique. Mais bien sûr que oui, il doit y en avoir partout. Ils ont fait passer les trucs pour que... Voilà. Il ne peut avoir que commencer à gratter, parce que par définition, il est là depuis 3 semaines, ouais. 2 semaines. Donc, il ne peut pas avoir tout vu dans les placards. Non, mais par contre, il y a peut-être quelques inspecteurs des finances qui ont été un peu en placard, oui, qui sont venus lui dire, cher ami, vous savez, monsieur le président, monsieur le premier ministre, j'ai quelques chiffres que j'aimerais vous montrer. Mais il n'a pas pu tous les recevoir. Tu vas voir que. Non, et puis, il y en a peut-être qui hésitent encore, mais je suis persuadé qu'il y a des trucs incroyables. Donc, si vraiment on est dans une situation comme ça, à ce moment-là, ou alors l'hypothèse inverse, c'est que le FMI viennent à Paris. Oui, bien sûr. Ah bah, c'est-à-dire c'est ce qu'on perd toute souveraineté. Toute souveraineté. Oui, mais c'est ce qui... ça les arrangera bien. Parce que ça, c'est une accélération encore vers... Parce que le FMI, c'est Christine Lagarde. Le FMI, elle a été à Christine Lagarde. Oui, c'est des gens comme Christine Lagarde. C'est surtout le siège du FMI est à Washington, quoi. C'est pas par hasard. Donc ça veut dire que la France cessera complètement d'être souveraine. Mais à ce moment-là, c'est une accélération vers un fédéralisme européen. Oui. Je ne sais pas si les autres pays en Europe vont vouloir accepter la dette française. Il y aura une scission à ce moment-là. Il y aura peut-être des gens comme l'Italie qui vont dire, écoutez, vous êtes gentils, mais c'est du morse. Ça veut dire qu'il y a des services publics secrets français qui doivent être en train de dire, mais arrêtez de dire des conneries, vous allez affoler les marchés. Mais je ne cherche pas à affoler les marchés. Je cherche simplement à dire aux gens, faites attention, une fois encore, les marchés financiers sont des animaux extraordinairement dociles jusqu'au moment où ils deviennent complètement fous. Et à ce moment-là... Oui, c'est irrationnel. C'est pas irrationnel, c'est que le risque dans un marché... C'est pas qu'il soit volatile, que ça monte, que ça baisse, c'est que vous ne soyez pas remboursé. Donc si d'un seul coup, les gens qui ont 50% de la dette française, c'est-à-dire beaucoup de pognon, la moitié du PIB français, se disent « Merde, je vais peut-être pas être remboursé ». Oui, mais tu sais comme moi que ces gens-là sont nos grosses caisses d'assurance, de ration, etc. La dette française, aujourd'hui, elle est placée où? Dans toutes les assurances-vie de Français de Navarre. Et ces gens-là, on leur a dit « Vous ne bougez pas un bout d'oreille ». Ils ne bougeront pas un bout d'oreille. Oui, mais je vois par exemple les compagnies d'assurance avec lesquelles je peux parler. Ça fait des années qu'elles vendent tous les actifs qui peuvent être vendus, qui sont de bonne qualité, des immeubles sur les Champs-Élysées ou j'en sais rien. Et puis, qu'elles gardent toutes les saloperies. Mais maintenant, s'il y a un gros problème qui se passe de solvabilité, si elles doivent payer une grosse catastrophe et qu'elles n'ont pas de sous... On a vu déjà... Ou les pensions allemandes. On a vu déjà la semaine dernière que les banques allemandes avaient
possiblement des choses au bilan qui pouvaient être pas super aussi. Pas super, exactement. Donc si, c'est toujours pareil, on a vu ça en Californie l'année dernière, mais il suffit qu'il y ait une banque qui saute parce que sous-capitalisée et qu'elle soit elle-même tenue par une autre banque qui avait des actions, enfin voilà, et puis après tu peux avoir des phénomènes de chaîne. Ça part, c'est-à-dire que ce que j'ai toujours expliqué, c'est que le système bancaire, c'est une espèce de réseau. Et si d'un seul coup, il y a deux tuyaux qui se bouchent, tout le système se bloque instantanément, c'est-à-dire que ça se prend en masse. C'est comme d'un seul coup, tu passes de l'eau à la glace, clac, plus rien ne bouge. Et quand ça se passe, ben à ce moment-là, tu peux rien vendre. Et il n'y a que ceux qui ont du cash qui sont en... C'est là où, en général, Warren Buffett fait tout son pognon. Donc, je ne dis pas que ça va se passer. Ce qu'on essaye de faire avec Didier, c'est que on réfléchit beaucoup sur la notion de catastrophe, d'avalanche. Il y a des mathématiques spéciales pour les catastrophes et les avalanches qui sont assez rigolotes, d'ailleurs. Les mathématiques du chaos. Et alors, ce qu'on voit très bien, c'est que une grande baisse dans le marché, c'est équivalent à une avalanche dans le monde de la neige, tu sais, ou c'est dans la neige. C'est-à-dire que... Il faut faire pipi pour voir si on est en haut ou en bas. En bas, oui, quand tu es tombé dans l'avalanche, oui. Mais avant ça, si tu veux, avant que l'avalanche n'ait commencé, c'est que tu peux mesurer que les conditions d'une avalanche sont en train d'être réunies. Oui. Mais tu ne peux pas savoir... Non. À quel moment elle va péter. Bien sûr que non. C'est le proverbial grain de paille sur l'eau du chameau qui casse l'eau du chameau, tu sais. C'est pareil. Donc, il te fait un truc. Tu regardes la pente, par exemple, du tas de sable ou de l'avalanche, et tu vois que plus la pente devient forte, plus la probabilité d'un écroulement devient importante. Donc, tu peux calculer que ça risque d'arriver. Donc, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, écoutez, on est en train d'analyser tous ces trucs de catastrophe. Donc, on vous dit pas que ça va arriver. On n'en sait foutre rien. Personne n'en sait rien. Mais les conditions pour que ça arrive sont en train d'être réunies. Or, ces conditions sont pas présentes en Asie, sont pas présentes ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous foutez ici, quoi? ça paraît idiot. C'est-à-dire, tu bâtis ta maison dans un territoire, dans un couloir d'avalanche. Et tu t'étonnes après que mais les paysans te disent, vous savez, moi je ne mettrai pas la maison ici, oui. mais tu dis, il n'y a pas eu d'avalanche depuis 40 ans. Oui, mais les paysans, ils savent que leur grand-père leur a dit qu'il y avait eu une avalanche en 1830 ou je ne sais pas quoi. Mmh. Et c'est pareil. Donc la gestion, ce n'est pas tellement de savoir là où il faut être, c'est de savoir là où il ne faut pas être. Et à quel moment ne pas y être. Et à partir de quel moment ne pas y être. Ça fait un petit moment qu'on vous dit les conditions d'un problème en France sont en train d'être réunies. Ça fait 2, 3 ans, 4 ans qu'on vous le dit, et très curieusement, il n'y a eu aucune réponse politique à ces conditions qui se détériorent. Je ne pense pas que le politique aujourd'hui ait la capacité de compréhension pour apporter des réponses. Je pense que honnêtement, quand on voit défiler des gens comme Attal et ainsi de suite, je ne pense pas qu'ils aient la maturité de faire autre chose que la communication communicante. Je ne pense pas qu'ils soient assis pour se poser la question sur la Bundesbank ou la crédibilité de l'euro. Je ne sais pas s'ils comprennent la parité des pouvoirs d'achat ou règle d'or. Je pense qu'il en a absolument... Maurice Allais. Ah, voilà. Le prix Nobel d'économie. Maurice Allais, c'était un type très bien. Un matheux pas possible, il était sorti premier de Polytechnique. Et il a fait des tas de débats avec Einstein sur la théorie de la relativité parce qu'il pensait que c'était une connerie. Mais enfin, et là, il avait tort. Mais enfin, c'était le genre de cerveau qui n'était pas. Il n'était pas noté pareil. Quoi. Oui, pas... oui, c'est bon, comme les médailles Fields. Pas noté pareil. Mais voilà. Donc, tu l'as sur une chaise, ils sont encore 6 heures après, tu sais. Oui, oui. Ils ont réfléchi à la théorie des cordes entre temps. Oui, mais en même temps, si tu veux, ils ne peuvent pas mettre leurs lacets. Quoi, oui, bien sûr, c'est ça. Ça, c'est autre chose. Donc, le message est assez simple, c'est que l'Allemagne, à mon avis, va commencer à prendre des mesures pour se redresser. Ils vont le faire avec toute la subtilité habituelle des Allemands, quoi. C'est-à-dire on vous blesse. On vous blesse et avec le sens de l'humour. Et nous, on va continuer à voter pour les congés payés et je sais pas quoi. Tu sais ce que c'est l'humour juif? C'est comme l'humour allemand, mais l'humour en plus. C'est ça, moi je l'avais entendu avec l'humour anglais, ça. Bon, ben, c'est pareil. Et donc on va avoir cet énorme... L'euro pouvait tenir si les Allemands étaient vaguement neutres et que les Français faisaient à peu près n'importe quoi, mais dans des limites raisonnables. Et ce que je suis en train de dire, c'est que les limites raisonnables ont été effacées, enfoncées, il n'y a plus rien.
et que les Allemands ne sont plus neutres, ils vont devenir restrictifs. C'est donc, ben, je sais pas comment ça va tenir, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des tas de choses que je veux pas avoir. Est-ce que tu penses, là, il y a eu des élections en Autriche qui ont amené au pouvoir des personnes qui sont plus nationalistes, est-ce que tu penses que... AfD est en train de monter comme une fusée en Allemagne. Voilà, ma question d'après, est-ce que tu penses que cette restriction et ce besoin de se retourner vers des valeurs sûres, ça va les ramener vers... Ils ont commencé à fermer leurs frontières. Hein. Voilà. Les Allemands, ils ont commencé à fermer leurs frontières. Et si tu prends l'AfD, c'est-à-dire les plus... les chrétiens démocrates, tu dois être à 60% des Allemands, là, entre les deux. Donc, je ne sais pas que ça va se passer, mais l'AfD, c'est considéré... Quand est-ce qu'ils revotent, les Allemands? Dans deux ans, un an et demi? Dans deux ans, oui, quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas certain que ça va être heureux, c'est parce que, justement, il va falloir prendre des mesures très dures, par exemple, sur l'énergie. Or, les écolos qui ont fermé les centrales nucléaires, etc., ils vont être virés. Et ils vont pas vouloir rester. Et s'ils restent pas, il y a plus de gouvernement. Donc il faudra faire quelque chose. Donc là aussi, ça implique qu'il va se passer quelque chose politiquement. Parce qu'il va falloir prendre des décisions fortes vis-à-vis. Enfin, le Parlement européen et ainsi de suite vont devoir. Les Allemands risquent d'être un peu plus agressifs au Parlement européen. Ben oui, mais déjà, ils contrôlaient un petit peu, me pensait-il, pas le Parlement, mais en tout cas la Commission. La Commission. Mais on voit bien que la Commission, elle est détenue par des mondialistes. Donc, revenir à cette histoire de... Ben oui, partout, on va ressurgir ce qu'on peut appeler la révolte des peuples, quoi. C'est-à-dire que partout, on voit les peuples qui se... C'est-à-dire, on voit revenir ce dont tu parles souvent, les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Voilà, c'est ça. Et on voit où... Et ce qu'il y a d'embêtant chez nous, on a des hommes des bateaux, oui... On a des hommes des bateaux qui aiment les bateaux d'un autre pays, là, c'est les Insoumis, là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Oui. Eux, ils ne s'intéressent qu'aux bateaux des autres. Ils s'intéressent qu'aux bateaux des autres. Alors, c'est, ils veulent pas jouer avec nos bateaux. T'as l'impression que le bateau des autres est chez nous, tellement ils en parlent toute la journée, Et c'est tellement mieux que nos bateaux à nous. Oui, c'est comme si le seul intérêt, c'était les bateaux de là-bas. Tu te dis, mais il y a un moment, on ne va pas importer des conflits toute la journée. Est-ce qu'on pourrait s'occuper déjà de nous? Tu sais, c'est comme quand tu es dans un avion, on te dit commencer par mettre le masque sur vous et ensuite vous occuper de l'enfant. J'ai souvent cette impression-là, c'est que si déjà on s'occupait de nous et qu'on était en bon état de marche, on serait quand même plus utile pour aider les autres plutôt que d'aider les autres. Pas du tout, parce que ça c'est une très mauvaise idée. Il faut d'abord qu'on se repente de nos crimes colonialistes, lesquels sont assez. Enfin, on va en discuter, ça c'est autre chose. Mais donc, les hommes nous, en France, je suis arrivé à la conclusion qu'on n'a pas d'hommes des arbres, qu'il n'y a pas de. Il n'y a personne qui veut défendre les Français, parce que quand je regarde. Même le Rassemblement National, je me dis, mais ils ont, il faut rester dans l'euro, rester dans l'Europe, rester dans l'OTAN. Et je me dis, quelle différence entre eux et le... Où est le... Donc... Non, mais les derniers, tu sais, c'était des gens comme Seguin, on en parlait ce matin avec Didier. Ouais. Mais effectivement, je pense que... Le problème, c'est que les partis politiques aujourd'hui, ou des hommes politiques, peuvent avoir cette vision-là, mais ne vont pas le dire par électoralisme. Mais tu l'as vu, bien sûr. Je l'ai vu à deux reprises, où on me disait, je leur disais, il faut parler de souverainisme et tout, on me disait jamais de la vie, parce que ça va affoler les Français. C'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Ils n'en parlent pas. Cela dit, ça les a pas empêchés d'aller sur des sujets autrement plus violents et avec autrement plus de violence. Oui. Donc, au bout d'un moment... cela dit, attends, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'à la fin, là, maintenant, Zemmour, il y va. Mais quand tu l'en parlais à l'époque, il voulait rien savoir. Ah, rien savoir. Ni sur l'euro, ni sur... Non, rien. Ni sur le Covid, ni rien. Il fallait parler d'un seul sujet. Bon, le Covid disait que c'était un piège, qu'il fallait pas y aller. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans un monde où, à force... D'abord, c'est une vieille phrase de philosophie, c'est pour traiter un problème, il faut commencer par le nommer. Or, le problème qu'on refuse de nommer en France, c'est l'État.
Oui, alors ça, complètement obèse. Alors ça, c'est l'autre problème, c'est que les gens, là, avec ce qu'on vient de dire, vont nous dire « mais il y a un seul homme qui se dresse, c'est Asselineau ». Donc je veux vous le dire tout de suite, Asselineau est un étatiste, ça ne sous-intéresse pas. C'est-à-dire, sortir de l'UE pour ensuite mettre un État pour rétablir les speakerines et tout nationaliser, ça ne nous intéresse pas non plus. Il faudrait quand même le comprendre au bout d'un moment. Non, ce qu'on veut, c'est quand on donne la parole au peuple directement, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire. Alors je sais que Asselineau en est partisan, mais j'ai vu quelque chose intéressant, c'est que Retailleau a essayé de dire qu'il fallait faire ça, et qu'on lui a immédiatement expliqué que l'état de droit. Ben, l'état de droit, ça ne veut pas dire une immuabilité du droit. Ça veut dire qu'on fait changer le droit en fonction des besoins de ce que veut la population. On a quand même des gens qui n'ont eu aucun problème à nous modifier la Constitution pour mettre dedans un droit immuable à l'avortement, qui n'était par ailleurs absolument pas remis en cause, parce que, encore une fois, homme de bateau qui s'occupe des bateaux des autres, c'est pas parce qu'aux États-Unis, un arrêt de la Cour suprême, qui n'a rien à voir avec la choucroute, et qui était un arrêt de la Cour suprême, hein, qui était et même pas plus, une loi. Et en plus, qui disait qu'il était interdit par l'avortement, qui disait que l'avortement était la responsabilité des États individuellement. Voilà, et c'est-à-dire que là, vous savez, les États-Unis, c'est géré avec un État fédéral, et puis ensuite les États en dessous. Et donc, simplement, l'État fédéral a dit, moi, je ne m'en occupe pas, gérez ça au niveau de vos collectivités. Ce qui n'était en rien la remise en cause de non, alors il y a des États qui ont dit qu'ils ont limité l'avortement, etc., mais l'État d'à côté ne faisait pas la même chose. Donc, si tu prends tes pieds, tu prends une voiture et tu vas dans l'État d'à côté. Donc, tout ça, c'est... Donc, il y a une espèce de mantra qui vous force... Dès que vous dites quelque chose, vous tombez dans la case droite ou extrême droite. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je me considère ni de droite ni de gauche. J'essaye de comprendre ce qui se passe et d'agir en conséquence. Mais apparemment, essayer de comprendre ce qui se passe, c'est être de droite. Mais tu sais, je vais te dire un truc, c'est drôle. Je ne te l'ai pas raconté, mais je vais te le raconter là. J'ai pris un taxi l'autre jour pour rentrer un peu tard. Et je parle avec le taxi et il était... Ah, mais c'était pour rentrer de l'anniversaire de Sophie. Ah oui. Et ma cousine, qui fêtait ses 60 ans. 65, oh là là. Bref, bonjour Sophie. Et le taxi, on parle de choses et d'eux. Et puis, bon, il pensait bien et je lui dis, mais à un moment, ah, mais peut-être vous avez vu des vidéos de mon père, il s'appelle Charles Gall. Il me dit, ah, mais c'est votre père, il me dit. Mais il est bien, lui, parce qu'on parlait un peu de politique. Ouais. Il me dit, il est bien, mais il est de gauche. Et alors je lui dis, je crois plus le bouh. Ça a l'air d'être important pour lui que tu sois de gauche. Hein. Donc je dis là, bouh. Et alors il me dit, oui, mais si, parce que comme tu parles du peuple, pour lui, t'es de gauche. Mais voilà. Et voilà. Et voilà ce que je veux dire aux gens, c'est que la gauche a trahi le peuple, la droite a trahi la nation, et je me sens malheureux des deux côtés. Donc oui, j'aime la nation, mais j'aime le peuple aussi, quoi. Donc, mais il faut dire que la gauche aujourd'hui, c'est quoi? C'est des gens qui parlent de la Palestine toute la journée, ou c'est des gens qui t'expliquent qu'il faut changer le sexe des enfants à 5 ans, parce que sinon ils ne seront pas épanouis. Donc c'est sûr que c'est difficile aussi de se dire, je veux dire, ton père, il était de gauche, papa Pierre, mais jamais il serait de la gauche là. Ah, il bah était jamais. D'une gauche... Jaurésienne, qui était pour... Il était officier, hein. Mais il y en avait plein dans l'armée d'ailleurs. Mais bien sûr, mais c'était une gauche différente, c'était une gauche, républicaine. Il avait choisi De Gaulle pendant la guerre, d'ailleurs on l'avait condamné à mort pour ça. Voilà, et cette gauche-là n'est plus. N'est plus, il n'y a plus personne qui représente ça. Moi j'avais pas de problème avec des gens comme Fraîche, même si c'était des gérants pas possibles, d'abord ils étaient rigolos, mais voilà, c'était de la gauche respectable. Ouais. Mais qui a envie de parler avec des gens qui bouffent des moustiques, qui veulent faire de la farine d'insectes, et qui t'expliquent qu'il faut... Qu'ils nous font l'affront bouffé à nous, parce que... Mais écoute, là j'ai vu Émeric Caron, qui était je sais plus quelle émission, et qui nous expliquait, tu comprends, qu'il fallait contrôler les naissances. Alors, point numéro un, j'aimerais quand même dire un truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'en Europe, on ait des problèmes de contrôle des naissances. Plus, on en fait plus, des bébés. On sait que ça, c'est point cool. Numéro deux, est-ce que ces gens-là, qui nous ont collé quand même, c'est eux qui ont voté tout le colonialisme, c'est pas les libéraux qui étaient contre, qui sont allés, soi-disant, faire le peuple, le bien du peuple, autre... Bon, est-ce qu'ils pourraient considérer la potentialité que les peuples puissent disposer d'eux-mêmes et arrêter de leur expliquer comment ils devraient faire leurs enfants, à quelle heure et dans quelle position. Parce que c'est quand même leur grande idée à tous de nous expliquer ils ça. Ils parlent de cul tout le temps. Non mais quand même, et de vouloir s'en occuper, au nom de quoi? Au bout d'un moment, tu te lèves le matin et tu dis « j'ai
le pouvoir spirituel est supérieur à vous, je vais vous dire que des enfants, vous devez en avoir deux. Tout ça au nom de Gaïa, la grande planète, alors que le World Economic Forum a fait des prévisions et a dit qu'on arriverait à un pic en 2096. C'est-à-dire qu'il y a Non, mais ça va baisser. Ça va baisser. On a atteint un pic là et la population va aller... Baisser. Décroissante. Donc de quoi nous parlent ces gens? Est-ce qu'ils pourraient au bout d'un moment s'occuper de leurs fesses déjà? Oui, et puis surtout arrêter de s'occuper des nôtres. Parce que moi qui s'occupe de leurs fesses, le grand bien leur fasse. Mais... Oui, mais donc, tu vois, le temps après, comme ils veulent s'occuper des fesses de nos enfants, des fesses des enfants des autres, ouais, dans d'autres continents. Et eux, ils n'en ont pas fait. Ou ils en ont un. Et alors, qu'est-ce qu'on en entend parler? Il n'est pas capable d'arriver à l'heure à l'école, et alors il nous fait des... Parce donc, qu'on a fermé les portières. Donc, le truc de droite, de gauche ou de droite, c'est pas la question. C'est, pour moi, je suis arrivé à une conclusion profonde. J'en suis très content d'ailleurs. C'est que la caractéristique des gens de gauche aujourd'hui, c'est qu'ils veulent empêcher les gens de bouger. Par tous les moyens. Et la limitation de vitesse, et vous avez pas le droit. Par exemple, à Paris, en 2025, les gens qui ont des voitures de catégorie 3 ne pourront plus rentrer dans Paris. C'est-à-dire que ça élimine à peu près 25% des gens qui rentrent dans Paris qui ne peuvent pas se payer de nouvelles bagnoles. Mais ça pose un problème, tu sais, pour les services aussi. Moi, la dernière fois, j'ai fait venir mon plombier, qui s'appelle Cléron, ils sont très gentils. Il m'a dit qu'il y avait des arrondissements qu'il ne faisait plus, parce que lui, il est dans le 15e, et s'il doit aller à Bastille, ça lui prend la journée. Du coup, il n'accepte plus des chantiers. Alors, la meilleure histoire que j'ai entendue, c'est... À gauche. Il devait être début de 2024, où on empêchait les voitures d'entrer. Et alors, ils se sont rendus compte que tous les gars qui travaillaient sur les Jeux Olympiques, tu sais, sur les dossiers des Jeux Olympiques, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, les Jeux Olympiques, on pouvait les passer par perte et profit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? 2025. C'est ça, s'intéresser au peuple, c'est ça. J'ai appris un autre truc par le taxi qui m'a ramené l'autre jour. Est-ce que tu sais que les gens de la mairie de Paris, ça doit dater de l'époque Roussel, ils ont droit à des taxis gratuits à partir de 11h30 du soir? C'est comme Goldman Sachs qui paye les taxis. Oui, mais Goldman Sachs, il les paye, les taxis. Là, c'est gratuit, c'est offert par G7. Ça doit être rousselé, ça, oui. Offre les taxis à partir de 11h30. Donc, lui, il me disait, je vais souvent chercher des gens à la mairie de Paris, parce que je sais que je me mets là, j'ai tous les gens qui sont restés à 11h30. Ah, mais c'est la mairie de Paris qui paye, alors? Mais non, c'est gratuit, c'est offert par G7. Mais là, pourquoi il y va, lui? Parce qu'il est payé par G7 s'il fait une course mairie de Paris. Ah, il est payé par G7. Oui. C'est pas un artisan indépendant, lui. C'est un G7, oui, d'accord. Bon, voilà, donc vous voyez, il y a des petits avantages partout qu'on peut pas, on peut pas les... Donc, on essaye de terminer cette émission, mais c'est simplement, encore une fois, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous présenter un pays qui marchait bien, qui a des problèmes actuels, qui va sans doute les traiter... Et en les traitant, il va nous foutre dans une situation impossible. Et ça, c'est ça qu'il faut garder. Tant que l'Allemagne continuait à être bénévolante, ça allait. Mais si elle se met à serrer les boulons, et je crois qu'elle va le faire, ça va être dur. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a... On a traité le problème. Et on va vous faire des questions. Et ensuite, j'essaierai de faire un petit dossier où je présenterai ça de façon écrite pour que vous puissiez le garder. Comme celui sur l'euro, quoi. D'accord. Mais on va d'abord le donner aux gens de l'Université de l'Épargne parce que je veux qu'ils aient d'abord le biscuit. Absolument. Ça me paraît normal. Et on vous le donnera après. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'oubliez pas de les mettre, vous mettez des pouces, vous en parlez autour de vous parce que... Il faut qu'on arrive à 400 000. Voilà, il faut qu'on arrive à 400 000. Et pour ceux qui se plaignent, je suis désolée qu'il y ait des pubs désagréables et ainsi de suite, mais encore une fois, on est shadow banned, c'est-à-dire on ne fonctionne pas bien dans les algorithmes. Et ils nous foutent des pubs de merde. Ils nous voilà. Littéralement, parce que c'était une pub sur la constipation, donc tu ne saurais si bien dire. Pour vous dire combien c'est des pubs de merde. C'est vraiment pas sympa, quoi. Mais c'est fait exprès, et du coup, nos algorithmes vont descendre à cause de ça. Voilà, enfin, nos rétributions, plutôt. Parce qu'au contraire, on est toujours très suivi. Il faut que vous le sachiez, c'est-à-dire qu'on était payé 10 000 euros par mois pour tout le travail qu'on faisait à la thèse de liberté, puis d'un seul coup, depuis 6 ou 9 mois, on est tombé à 4 000. Tu parles 2008, ouais. 2008, donc on sent bien qu'il y a des gens qui nous aiment, quoi. Voilà, et c'était pas mon business plan. Non. Voilà. Comment on va payer Léonard? Comment on va payer Léonard?
et toutes les croquettes. Voilà. Bon, encore merci pour tout et on vous dit à très vite, à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures de questions. Voilà. À bientôt. Merci.